Bonjour, nouvelle émission du Sporting, le Tetequitoa après le Tequitoa. Destination aujourd'hui de nos forces vives, les deux services civiques du club qui finissent et terminent leur mission. Une petite présentation d'Alexis pour commencer. Oui, donc bonjour, je m'appelle Alexis Brissot, j'ai 20 ans, je suis service civique au club. Je suis éducateur également sur la catégorie U8-U9 et je suis joueur senior en D2. Et Enzo. Alors bonjour, moi c'est Enzo Marquez, j'ai 19 ans, je suis également service civique au club et j'ai passé un bac S en 2019 et puis c'est tout. Les garçons, pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous souhaité vous investir dans une mission de service civique? Alors après l'obtention de mon BTS DATR développement et animation et territoires ruraux, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, je ne savais pas si j'allais continuer mes études ou rentrer dans le monde du travail. Donc c'est pour ça que je me suis engagé dans cette mission de service civique, afin de pouvoir réfléchir sur mon avenir et sur mon futur professionnel et pouvoir ainsi également aider le club dans ses missions. Alors avant de vouloir faire une mission de service civique, je voulais candidater dans l'armée de l'air. Mais on m'a d'abord conseillé de faire un service civique, comme ça j'aurai un bagage en plus dans mon CV. Et du coup, on m'a conseillé de faire mon service civique ici à Saint-Pierre-du-Mont, au club de foot, parce que c'est ma passion. Tes attentes ont-elles été à la hauteur de tes espérances? Mes attentes ont été bien au-delà de mes espérances, puisque ce service civique m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le monde associatif et m'a fait grandir. Ce service civique m'a également permis de trouver ma voie pour mon projet professionnel futur et m'a épanoui au sein du club. Alors mes attentes ont été à la hauteur de mes espérances, puisque j'étais au plus proche des terrains, des joueurs et des éducateurs. Et cela m'a permis aussi de découvrir la face cachée d'un club de foot. Peux-tu me dire un peu plus sur tes missions au quotidien dans ce service civique? Alors, durant cette période, nous avons réalisé plusieurs missions dans différents domaines, tels que la communication. Donc, dans ce domaine, nous avons réalisé plusieurs affiches pour plusieurs projets et événements qui se sont déroulés tout le long de l'année. Ensuite, nous avons réalisé en fait une gazette qui permet de retracer la vie du club depuis le début de la saison. Nous en avons réalisé deux et la troisième est actuellement en préparation et nous souhaiterions la sortir mi-mai. Ensuite, pendant le confinement, nous avons mis en ligne un quiz sur la culture générale et le football. Et nous avons également mis en place, organisé un tournoi FIFA pour les personnes qui le souhaitaient. De plus, dans le cadre du service civique, il y avait une partie terrain où j'intervenais afin d'aider sur les catégories U8, U9 et U12, U13. Alors par rapport à nos missions au quotidien, nous avions pour but l'accompagnement des familles avec les enfants liés par rapport au protocole sanitaire, au portail. Ainsi que le centre de loisirs où nous allions chercher les enfants qui étaient au centre directement. Ensuite, nous étions au côté administratif et logistique par rapport aux éducateurs, que ce soit par rapport aux équipements. Et pour compléter Alexis, nous étions à l'organisation du stage. Les garçons, la crise sanitaire que nous traversons tous a-t-elle influencé votre investissement au sein de votre mission de service civique? Alors, la crise sanitaire n'a pas forcément influencé mon investissement, mais je dois avouer que c'était quand même un peu difficile. Le moment où il a fallu travailler à la maison pendant le confinement, c'était difficile également parce que
On ne pouvait pas se voir pour compléter notre travail. On était obligé de s'appeler, enfin, c'était un peu compliqué. Et ensuite, pour différents projets qu'on avait en tête, par exemple, je pense au tournoi FIFA qu'on voulait organiser dans le clubhouse, mais ça n'a pas été possible suite à la crise sanitaire. Donc c'est dommage. Alors, elle a influencé légèrement mes missions, puisque avec le deuxième confinement, on a dû rester chez nous et les entraînements aussi ont été annulés. Et du coup, ça a enlevé une bonne partie de mon temps de travail sur les terrains. Mais ce temps a pu être remplacé par la rédaction de la Gazette notamment. Alexis Enzo, comment s'est déroulé l'accompagnement de votre tuteur, que je suis, et le lien avec les dirigeants et les éducateurs dans ce cadre de cette mission de 7 mois? Alors l'accueil et le lien avec le tuteur s'est très bien déroulé. Il a toujours été disponible, toujours à l'écoute quand on en avait besoin. Et même avec la crise sanitaire, il a toujours réussi à nous donner des missions à réaliser pour pas rester sans rien faire. Ensuite, au niveau des dirigeants, ils nous ont très bien accueillis, très gentils et toujours disponibles aussi. Et ils ont toujours été d'une grande aide également. Et en ce qui concerne les éducateurs, l'ambiance qui règne dans cette équipe a favorisé mon intégration et le lien relationnel a été très bon avec eux et ils m'ont mis dans une relation de confiance, ce qui me pousse à continuer dans cette voie-là. Alors pour moi qui n'étais pas de la région quand je suis arrivé ici au club, j'ai été très bien accueilli, que ce soit par les dirigeants, par les éducateurs ou par notre tuteur. On s'est directement senti comme chez nous. Et concernant les dirigeants, ils ont toujours été chaleureux et bienveillants envers nous. Pour les éducateurs, il y a une relation de confiance qui s'est installée, ce qui m'a permis de mieux m'intégrer. Et par rapport à notre tuteur, il a toujours été là pour nous quand nous en avions besoin. Pour nous rebooster aussi pendant ce confinement, parce que c'était assez compliqué de travailler à distance, il a été là aussi. Et heureusement, j'ai envie de dire. Les garçons, à travers ces missions de service civique, avez-vous découvert des traits de votre caractère? Alors durant cette période, j'ai découvert plusieurs aspects de mon caractère. Déjà, j'ai découvert que j'aimais bien tout ce qui est communication, donc réalisation d'affiches, relations avec les parents, etc. Ensuite, j'ai découvert que je pouvais également m'adapter à plusieurs situations suite à la crise sanitaire. Et également, tout ce qui est la créativité ou encore l'imagination pour les séances d'entraînement qu'on a dû réadapter suite au sans contact. Et notamment, j'ai pris conscience que je pouvais d'ores et déjà rentrer dans le monde du travail. Alors cette mission de service civique m'a permis de comprendre que j'avais des responsabilités, que c'était une autre vision du monde, que j'entrais dans le monde du travail. Et que ce n'était plus comme il y a quelques années où j'étais assis sur une chaise à écouter les cours en classe. Ça m'a permis aussi de m'introduire par la petite porte dans le monde du travail et associatif également. Les missions de service civique sont un acte volontaire. Est-ce que vous recommanderiez ce volontariat auprès des jeunes qui seraient intéressés dans l'engagement citoyen? Je recommande bien évidemment le service civique aux jeunes, surtout à ceux qui sont dans la situation dans laquelle j'étais. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire après leur bac ou après un BTS, faire un service civique, ça apporte énormément de choses. Ça les fait rentrer petit à petit dans le monde du travail et dans le monde associatif. Ça permet également donc d'aider une structure, tout en réfléchissant à son avenir, à son projet professionnel. Donc je recommande vivement ce dispositif aux jeunes. Absolument, c'est une très bonne expérience que je recommande à tous de faire. Au début de ce service civique, j'étais très réservé, j'avais peur du contact humain. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui,
Je suis beaucoup moins réservé et ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Enzo, Alexis, vous nous avez dit avoir évolué dans le cadre de cette mission de service civique. Pouvez-vous nous dire quel est votre avenir? Comment se dessine-t-il? Et est-ce que nous allons avoir le plaisir de vous avoir à nos côtés? Alors, à la fin de mon service civique, donc je souhaite partir dans le domaine du sport, comme j'ai toujours voulu. Donc, je souhaite faire un BPJEPS activité pour tous. Et je vais bien évidemment continuer au club en tant qu'éducateur et également en tant que joueur. Alors, à la fin de mon service civique, j'ai pour projet de passer des concours pour rentrer dans l'armée en septembre. Alexis, Enzo, voilà la fin de votre mission qui approche. Un petit mot peut-être pour conclure, des remerciements. Donc pour conclure, j'ai vraiment passé 7 mois excellents avec un très bon accueil de la part des dirigeants, du tuteur et des éducateurs. C'était vraiment une très bonne expérience. Donc pour cela, je souhaite remercier les dirigeants, Nathalie et Jean-Pierre, qui m'ont très bien accueilli, qui ont toujours été disponibles. Et je remercie également notre tuteur Olivier, qui lui aussi a été très disponible et à l'écoute. Ensuite, je souhaiterais également remercier Hugo et Flavio, les deux apprentis au club, qui nous ont grandement aidés pour certaines missions. Donc merci à eux et merci à tous. Enzo ? Alors pour commencer, cette mission de service civique a été très bénéfique pour moi. Elle m'a permis d'avoir une autre vision du foot, qui est ma passion. Et j'ai pu apprendre à connaître certaines personnes. Je voudrais remercier Nathalie et Jean-Pierre qui ont été très chaleureux et qui ont été aussi bienveillants envers nous. Je voudrais remercier Olivier, notre tuteur, qui a toujours été là, qui a été rapide et efficace quand on en avait besoin. Enfin, je voudrais remercier Hugo et Flavio qui ont toujours été présents pour nous aider aussi, que ce soit pour la gazette ou pour les préparations des terrains au niveau des entraînements le mercredi. Merci Alexis, merci Enzo. Go Sporting! Le Sporting Club Saint-Pierre-du-Mont accompagne les jeunes en service civique depuis 3 années maintenant, avec aussi un cadre dans le parti emploi et salariés avec les apprentis en BPJEPS et BMF cette année. On tient à remercier les deux services civiques Enzo et Alexis qui ont œuvré pendant ces 7 mois dans des conditions assez particulières liées au Covid. L'ensemble des dirigeants ont facilité leur intégration comme ils nous l'ont dit tout à l'heure. On tient aussi à remercier donc le travail des bénévoles, éducateurs et dirigeants qui ont fait en sorte qu'Alexis et Enzo soient épanouis au sein de leur mission. Un grand merci à eux, une bonne continuation. On espère les retrouver sur le Prévert ou à côté prochainement, même si Enzo sera peut-être dans un cadre, une autre tenue. Et comme le dirait un certain Paga, ce sont eux la sombresse del macho.